Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. L'anime que je veux partager avec vous aujourd'hui s'appelle « Êtes-vous prêt à tomber amoureux d'un pervers ?» Tant qu'elle est mignonne. C'est un anime très intéressant sur l'amour sur le campus. Je crois que la belle vie sur le campus vous manquera autant que moi après l'avoir regardé. Keki, un lycéen ordinaire, reçoit soudain une lettre d'amour. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que la lettre d'amour arrive avec la culotte blanche d'une fille, car la lettre d'amour n'est pas signée. Toutes les filles autour de Keki peuvent être l'auteur de la lettre d'amour, y compris la senior sexy Seoki, pure Loli Yuka, et son amour d'enfance Mel, qui a exactement écrit la lettre d'amour. Continuons à regarder pour trouver la réponse. L'histoire commence un jour d'école ordinaire, lorsque le protagoniste masculin Keki, plongé dans un rêve agréable, est réveillé par sa sœur Mizuo. Keki n'aime pas l'intrusion occasionnelle de Mizuo dans sa chambre, mais Mizuo se concentre sur l'analyse de la fortune de la journée et ignore ses plaintes. Comme d'habitude, Keki arrive à l'école avec un fantasme d'amour. Dans la salle de classe, Keki reçoit un avis de Seoki, le président du club de calligraphie, qui lui demande de nettoyer le bureau du club. Keki est bien conscient de la façon dont Seoki est destructeur, alors il apporte spécialement 3 aides. Grâce à leurs efforts conjoints, le club de calligraphie est rétabli dans la propreté, tout comme Keki est sur le point de rentrer chez lui. Une lettre d'amour attire son attention. C'est la première fois que Keki reçoit une lettre d'amour de sa vie, et il pense naïvement qu'il mettra immédiatement fin à sa vie de célibataire. De manière inattendue, la lettre d'amour n'est pas signée, mais vient avec la culotte blanche d'une fille. Keki partage cette expérience avec son bon ami Shoma pour obtenir de l'aide, ne connaissant pas l'identité de l'auteur de la lettre. Shoma lui donne le nom de Cendrillon. Selon lui, Cendrillon fait partie des 4 filles qui nettoient le club. Keki exclut d'abord Mizuo, considérant qu'elle est sa sœur. Puis, à la suggestion de Shoma, il se rend au club de calligraphie pour chercher des indices. Keki rencontre Seoki en chemin et apprend qu'elle va faire une sieste au bureau, il doit donc changer de stratégie et commencer à enquêter sur Yuka à la place. Yuka est junior et membre du comité de la bibliothèque. Keki organise souvent des livres avec elle, mais Seoki et Yuka réagissent de la même manière à Keki que d'habitude. Keki n'avançant pas dans son enquête, il continue de se tourner vers Shoma. Juste à ce moment, l'esprit de Keki est occupé par l'apparition soudaine de Mao et accidentellement écrasé par un ballon de basket. Mao accompagne Keki à l'infirmerie et s'occupe doucement de lui. Ce sont des camarades de classe proches, et Keki, afin de savoir si Mao est l'écrivain, lui demande si elle le soutiendra s'il a le béguin. Mao semble hésitante, affirmant qu'elle ne peut pas l'encourager. Après l'école, Keki rencontre Seoki en dehors de l'école. Seoki regarde un chien de compagnie sur le bord de la route avec acharnement, espérant que Keki lui touchera également la tête. Bien que Keki ne comprenne pas l'idée de Seoki, il se conforme à sa demande. Seoki est excité et récompense Keki avec un baiser. Le baiser fait soupçonner Keki que Seoki est Cendrillon, alors il veut clarifier les choses au nom de la datation. Mais Seoki comprend mal que Keki l'aime et accepte immédiatement l'invitation au rendez-vous. Au restaurant, Seoki remercie Keki d'avoir rejoint le club de calligraphie, car le club de calligraphie est une société très impopulaire. Si Keki n'avait pas pris l'initiative de rejoindre, le club de calligraphie aurait été remplacé, mais Keki n'y prête pas attention. Au lieu de cela, il en profite pour demander à Seoki si elle l'aime bien, mais Seoki évite de lui répondre. Keki identifie Seoki comme Cendrillon et annonce qu'il connaît déjà son secret. Seoki le croit et demande à Keki d'avoir une conférence au club de calligraphie. Cependant, Keki n'a aucune idée que le secret de Seoki est qu'elle aime être maltraitée et rêve de devenir l'animal de compagnie de Keki. Keki est déconcerté par le fétiche de Seoki et comprend vite pourquoi elle envie le chien de compagnie. Il refuse la demande de Seoki et s'enfuit. À ce moment, Keki apprend accidentellement du professeur du club que la porte du club de calligraphie était déverrouillée, ce qui signifie que lorsque Keki a verrouillé la porte et est parti, l'auteur de la lettre pourrait se cacher dans le club de calligraphie, donc l'ordre de leur direction n'est pas important. Les soupçons se portent également sur les 3 filles. Keki ne peut pas savoir si Seoki est Cendrillon, car il est sur le point de changer de cible. Il est surpris par l'apparition soudaine de Seoki, qui n'abandonne pas et espère désespérément que Keki deviendra son maître, commençant même à le taquiner. Yuka, en tant que membre du comité de la bibliothèque, accuse Seoki de faire des bruits forts dans la bibliothèque. En fait, elle ne supporte tout simplement pas l'intimité entre Seoki et Keki. Quand Seoki part, Yuka demande à Keki s'il sort avec Seoki. Après avoir reçu une réponse négative, Yuka demande à Keki un rendez-vous, car Keki n'a aucune expérience avec les filles. Mazua lui donne quelques conseils.
Tout d'abord, arriver à l'endroit convenu à l'avance. Deuxièmement, féliciter la robe de Yuka. Troisièmement, guider sa volonté. Selon les instructions de Masua, Keki parvient à gagner les faveurs de Yuka. Pendant le rendez-vous, lorsque Yuka est assiégée par quelques gangsters, Keki se précipite pour protéger Yuka, qui est très satisfaite du rendez-vous et le remercie d'un baiser. D'ailleurs, Yuka invite Keki à la bibliothèque, disant qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Ce à quoi Keki ne s'attend pas, c'est que Yuka lui demande de devenir son esclave. Comme Keki ne l'accepte pas, Yuka enfonce avec force sa culotte dans sa bouche. Keki est tellement choqué qu'il s'évanouit sur place. Dès lors, Keki est devenu résistant à l'école car il ne sait pas comment affronter cette vie chaotique. Alors que Keki est bouleversé, il trouve les sous-vêtements de Yuka dans le casier. Même si Keki a exprimé à plusieurs reprises son refus, Yuka reste catégorique. Keki est très spéciale pour Yuka, alors elle veut qu'il soit son seul esclave. Comme Keki n'arrive pas à s'entendre avec Yuka, il a hâte de quitter l'école. Juste à ce moment, il reçoit une photo menaçante de Seoki. Keki ne sait pas quand Seoki a pris la photo intime et se précipite avec colère vers le lieu de rendez-vous. Contrairement à Yuka, Seoki insiste pour que Keki soit son maître. Elle prétend qu'elle a laissé tomber la clé de la menotte dans sa chemise et demande à Keki de l'aider à la retirer. Lorsque les menottes sont déverrouillées, Seoki supprime la photo intime et avoue ses vrais sentiments à Keki. Tant que Keki accepte d'être son maître, elle est prête à tout lui donner. Après réflexion, Keki rejette fermement sa proposition. La recherche de Cendrillon est au point mort, excluant les fous Seoki et Yuka. Mao devient le plus grand suspect. Cependant, Keki a été torturé et n'a pas le temps d'enquêter sur Mao. Yuka attache Keki à une chaise pour l'empêcher de rencontrer Seoki, lui demandant de lui embrasser les pieds. Juste au moment où Keki résiste, Seoki apparaît et complique encore les choses. La salle de classe est en désordre et Mao en profite pour emmener Keki. Elle perd son sang-froid et dit qu'elle ne veut pas voir Keki avec d'autres filles. Mao et Keki sont camarades de classe. Elle est introvertie et parle rarement aux autres. Leur première conversation a eu lieu en classe, où Keki a aidé Mao à se sortir d'une situation difficile et a reçu un merci de sa part. Keki ne sait pas comment Mao se voit et tombe en détresse. Yuka et Seoki s'excusent auprès de lui l'un après l'autre, mais Mao refuse de le mentionner. Keki exprime sa compréhension et espère que Mao pourra le consulter lorsqu'elle rencontrera des problèmes. Mao pense qu'ils n'ont pas traîné récemment et veut combler le vide. À la demande de Mao, Keki passe un bon moment avec Mao et Shoma. Il s'inquiète pour Mao et lui propose de la renvoyer chez elle. Bien que Mao passe un bon moment, elle espère toujours rencontrer Keki seule. À ce moment, une forte pluie soudaine interrompt leur conversation. Keki achète des boissons chaudes pour Mao, seulement pour constater qu'elle a regardé des photos de Shoma. Il comprend mal que Mao aime Shoma et lui demande confirmation. Le visage de Mao est plein de honte. Elle ne sait pas comment l'expliquer et s'enfuit. Depuis lors, Mao a évité de rencontrer Keki, mais Keki n'a aucune idée de ce qui ne va pas. Masua sent que son frère s'inquiète pour quelque chose et lui demande ce qui s'est passé récemment. Keki soupçonne que Mao lui cache quelque chose. Il sait qu'il ne devrait pas être trop obsédé par la réponse, mais il veut en savoir plus sur elle. Masua veut que Keki suive son cœur, même s'il échoue. Avec ses encouragements, Keki trouve le courage de s'excuser auprès de Mao. Il ne sait pas en quoi il dérange Mao, mais il ne veut pas se battre avec elle. Tant que Mao lui pardonne, il est prêt à tout. De manière inattendue, Mao demande à Keki de devenir un couple romantique avec Shoma. Mao explique qu'elle est une artiste du monde et que son nouveau travail est basé sur Keki et Shoma. Profondément dévastée, Keki ne se rend pas compte que ce n'est que le mensonge de Mao. Alors qu'il est sur le point de quitter l'école, il reçoit à nouveau des photos menaçantes. La photo le montre en train de récupérer la clé des vêtements de Seoki. Keki doit se rendre immédiatement à la société astronomique. Sinon, les photos seront rendues publiques. Quand Keki arrive, une fille étrange appelle son nom. La fille est Koharu, présidente du club d'astronomie et admiratrice de Shoma. Profitant de l'emplacement de la société astronomique, elle a secrètement pris une photo de Keki et l'a menacée. Parce que le type idéal de Shoma est humble, Koharu, en tant que senior, n'ose pas lui avouer ses sentiments et demande à Keki de l'aider à créer des opportunités. Keki accepte la demande de Koharu à la condition de supprimer sa photo avec Seoki. Juste au moment où Keki ne sait pas comment aider Koharu, Masua l'inspire. À l'approche de l'été, toutes les filles de l'école changeront leur robe en rose, afin que Koharu puisse simplement cacher à Shoma le nœud bleu représentant la troisième année du lycée. Comme Keki s'y attend, Shoma est attirée par l'apparence mignonne de Koharu et échange joyeusement des contacts avec elle. Koharu, afin de rembourser Keki,
décide de l'aider à retrouver la mystérieuse Cendrillon. De l'avis de Koharu, outre les filles qui ont participé au nettoyage, les filles qui ont visité le bâtiment du club ce jour-là devraient également figurer sur la liste des suspects. Keki essaie de demander des indices au professeur du club, mais tombe sur Ayano, la vice-présidente du conseil étudiant, dans la cage d'escalier. Pour des raisons inconnues, Ayano reste longtemps dans ses bras. Par coïncidence, l'enseignante du club dit à Keki qu'elle a rencontré Ayano dans le couloir ce jour-là, ce qui rend Keki méfiant envers Ayano. Après avoir connu Ayano, Keki découvre de manière inattendue qu'elle aime le contact physique. En tant que vice-présidente, Ayano est tenue de procéder à des examens réguliers des clubs. Profitant de cette opportunité, elle invite Keki à participer à une activité bénévole pour nettoyer les déchets de rue. Keki considère que c'est une bonne occasion de tester Ayano, alors il accepte. De façon inattendue, Seoki passant par là arrive à les voir. Elle est tellement jalouse qu'elle décide de se joindre au bénévolat. Keki est pris en sandwich entre Yuki et Ayano. Profitant du doux fardeau pendant le bénévolat, Seoki en profite pour inviter Keki à sortir. Elle est très mécontente de l'intimité de Keki avec d'autres filles et veut laisser sa marque sur lui. Ses mouvements font rappel à Keki son expérience d'être harcelé par des chiens lorsqu'il était enfant. Alors il imite la méthode de traitement du chien et arrête le mouvement de Seoki. La grossièreté de Keki rend Seoki encore plus excitée, convaincue que seul Keki peut être son maître. Elle s'enfuit timidement. À la fin de l'activité bénévole, Ayano tombe accidentellement dans la rivière. Keki a peur qu'elle attrape un rhume et enlève pensivement sa veste pour elle. Mais il ne s'attend pas à ce que cet acte de gentillesse rende Ayano encore plus folle. Pour remercier Keki pour son manteau, Ayano l'invite au bureau du conseil étudiant. Alors que Keki termine les rafraîchissements préparés par Ayano, il s'endort avec elle sur le canapé. Il se réveille alors pour trouver Ayano allongé sur lui. Ayano avoue qu'elle souffre d'un fétichisme sévère des odeurs. Et récemment, elle a aimé l'odeur de Keki, alors elle ne peut s'empêcher de s'approcher de lui. Keki ne s'attend pas à ce qu'Ayano soit aussi un pervers et refuse résolument de lui remettre ses intimes. Dans les prochains jours, Keki est occupée à créer des opportunités pour Koharu et Shoma. Il ne veut pas que ce soit embarrassant, alors il demande à Seoki de rester avec lui. Au bowling, Koharu remporte la première place avec ses compétences exceptionnelles. Elle profite des avantages du gagnant et fait une demande pour qu'elle veuille appeler Shoma par son surnom. Shoma est tellement excité qu'il propose d'aller à un rendez-vous avec Koharu la prochaine fois. Koharu est reconnaissante de l'aide de Keki, mais elle sent qu'elle ne peut plus tromper Shoma et décide de lui dire la vérité. Sur un boulevard familier, Koharu prend le courage de dire à Shoma qu'il a ramassé son chapeau ici il y a un an, et à partir de ce moment, Koharu a eu le béguin pour lui. Bien qu'elle ait menti sur son âge, ses sentiments envers lui sont vrais. Cependant, Shoma rejette ses aveux. Keki regarde tout le processus, se sentant désolé pour le dévouement de Koharu et espérant que Shoma puisse prendre la relation au sérieux. Koharu a aimé Shoma à distance et n'a pas osé lui parler pendant un an. La rejeter à cause de son âge est cruel pour elle. De façon inattendue, Shoma se souvient toujours de Koharu. Quand il l'a rejetée, il a également ressenti un chagrin d'amour. Sous la direction de Keki, Shoma est déterminée à faire la différence. Il adore être avec Koharu et veut construire lentement une relation avec elle en commençant par des amis. Cependant, lorsque Shoma voit les photos de lui secrètement prises par Koharu, il tressaille à nouveau. L'histoire de branchement se termine pour le moment, et jetons un coup d'œil du côté de Keki. Un jour, Seoki vient chez Keki avec un costume d'animal de compagnie et le montre avec enthousiasme à Keki. Elle est désolée d'avoir offensé Keki, mais tout venait de son cœur. Seoki veut que Keki soit son maître, qu'il ait un contact physique avec elle dans les limites de ce qu'il peut accepter. Keki ne s'attend pas à ce que Seoki lui fasse autant confiance, il essaie de toucher son ventre, ce qui rend Seoki si heureuse qu'elle serre Keki dans ses bras. Masua, qui vient avec des tasses de thé, voit cette scène et comprend mal Keki. Keki est en détresse et suggère que Seoki a changé de propriétaire. Mais Seoki a son insistance là-dessus. Elle est seulement disposée à accepter Keki comme son maître maintenant. Après le départ de Seoki, Yuka se présente chez Keki et lui demande de se déguiser en bunny girl. Sous la menace de Yuka, Keki répond à toutes ses demandes. Yuka est très satisfaite de la performance de Keki et envisage d'enlever ses sous-vêtements et de les lui donner. Elle pense que Keki est spéciale pour elle, alors elle veut donner sa culotte. Pendant la dispute, Yuka tombe accidentellement sur Keki, amenant Masua à se méprendre à nouveau. Vers la fin de la journée, Mao appelle soudainement Keki pour lui demander s'il est sorti avec une fille. Mais après avoir obtenu une réponse négative, Mao raccroche l'appel téléphonique paniqué. Ce qui choque le plus Keki,
c'est que la culotte blanche de Cendrillon a disparu. Keki en discute avec Koharu et Shoma. Sans aucun doute, Seoki et Yuka, qui ont visité ce jour-là, sont les plus gros suspects. Pour découvrir la vérité, Keki accepte d'être le maître d'un jour de Seoki et vient au parc d'attractions pour un rendez-vous avec elle. Keki choisit délibérément de nombreux jeux passionnants pour exposer Seoki afin qu'il puisse confirmer sa culotte. Bien que ses plans échouent sans exception, il se rapproche beaucoup plus de Seoki. Il y a une exposition des œuvres calligraphiques de Seoki aujourd'hui. Keki l'emmène au hall d'exposition à la dernière minute. Keki veut savoir pourquoi Seoki l'a choisi. Seoki ne peut pas lui donner de raison précise, mais avoue que depuis que Keki s'est présentée au club de calligraphie, elle a de l'affection pour lui. Elle espère que Keki acceptera qui elle est, et même s'il la rejette, elle ne le regrettera pas. Sur le chemin de la maison de Seoki, Keki en profite pour lui faire enlever sa jupe. De façon inattendue, elle ne porte rien sous sa jupe. Seoki se sent à l'aise sans culotte, mais elle sait que Keki n'aime pas ça, alors elle décide de porter une culotte pour lui. Yuka voit l'anomalie entre Seoki et Keki, alors elle stimule délibérément Seoki avec un contact intime. Seoki n'en peut plus et jette le pinceau d'écriture avec colère. Keki sent que Seoki évite de le voir, et il demande l'avis de son ami. Koharu voit le souci de Keki pour Seoki et veut qu'il suive son cœur. Keki n'a qu'un seul souhait, et c'est de retrouver le sourire sur le visage de Seoki, pour lequel Keki décide d'avoir une conversation sérieuse avec Seoki. Cependant, Seoki ne prend pas l'affaire précédente au sérieux. Elle est juste très mécontente du camouflet de Keki. Lorsque Keki apprend les pensées de Seoki, il est plus méfiant qu'elle soit Cendrillon. Il demande directement à Seoki si elle a volé la culotte dans sa chambre. Seoki l'admet, mais ce qu'elle a pris, ce sont les boxeurs de Keki. Keki retire alors veste Seoki de la liste des soupçons et cible Yuka. Yuka voit Keki montrer des signes de rhume, alors elle l'invitait chez elle pour s'abriter de la pluie. Pendant que Yuka prépare une boisson chaude, Keki en profite pour fouiller dans ses vêtements intimes. Yuka voit tout cela dans l'ombre et elle photographie le comportement de Keki pour le menacer de devenir son esclave. La vie d'esclave de Keki commence et il doit accepter les demandes de Yuka. Comme Seoki a toujours considéré Keki comme son maître, elle ne supporte pas la soumission de Keki à Yuka et est très déçue de lui. Keki ne peut pas se débarrasser de Yuka et ne peut que la servir plus fort. Après une virée shopping, Yuka, qui est sur le point de prendre un bain, est effrayée par l'araignée et se précipite vers Keki pour obtenir de l'aide. Keki arrive à voir le corps nu de Yuka et s'excuse auprès d'elle de honte. Au lieu de demander des comptes à Keki, Yuka lui demande de lui caresser les cheveux. La touche familière rappelle à Yuka sa grand-mère, qui est la personne préférée de Yuka. Depuis que sa grand-mère est décédée, Yuka n'aime plus entrer en contact avec les gens. Tant qu'elle n'aime personne, elle ne sera pas blessée quand celui-ci partira. Keki est la seule exception. Sa conversation non sollicitée l'a redressée. Pour Yuka, Keki est une personne très spéciale. Juste au moment où Yuka révèle ses vrais sentiments, Keki trouve accidentellement son boxeur sur son lit. Keki ne s'attend pas à ce que Yuka fasse un acte aussi pervers, et se débarrasse ainsi de ses chaînes. Épuisé par de nombreux revers, Keki n'arrive toujours pas à comprendre l'identité de Cendrillon. Juste à ce moment-là, Mao demande soudainement à Keki de devenir son petit ami. Il s'avère que Mao crée un manga shoujo, et elle veut que Keki soit son sujet expérimental, espérant s'inspirer de sa réaction. Quand elle apprend que Keki est toujours célibataire, Mao semble soulagée. Keki ne sait rien de l'esprit de jeune fille de Mao, mais il trouve des indices sur la photo de Cendrillon et Koharu de Shoma. Keki est confiant d'avoir découvert la vérité. Keki décide de désigner l'auteur de la lettre d'amour dans la piscine, demandant à Masua de sortir avec trois autres suspects. Comme c'est une demande soudaine, Keki prépare un maillot de bain spécialement pour Masua. Dans la piscine, Keki évite l'enchevêtrement des autres et trouve Masua dans la piscine chaude. Parce que les pieds de Masua ont des crampes, Keki la porte dans l'inquiétude. La large épaule de Keki rappelle à Masua leur enfance. Quelques années ont passé et Keki est devenu un homme de confiance. Juste à ce moment-là, il rencontre Koharu à la piscine. Un concours de confession d'amour est organisé à la piscine, et Koharu, qui a du mal à trouver des participants, demande de l'aide à Keki. Apprenant à connaître la situation, Seoki propose qu'ils participent tous les quatre à la compétition ensemble, et le gagnant aura l'opportunité de commander Keki, ce qui gagne le soutien de toutes les filles. Après une compétition acharnée, la confession d'amour de Masua à son frère remporte le meilleur score du jeu. Keki devine que Masua est la Cendrillon. Il lui dit pardon et soulève sa robe. Avec l'apparition d'une culotte blanche, l'identité de Masua est confirmée. Il s'avère que la photo candide de Koharu contient Masua,
mais c'était le moment où Masua était à la maison, et elle n'était pas censée être à l'école. De plus, Cendrillon lui a volé sa culotte plus tard. Et pour être prudente, Shoma a émis l'hypothèse qu'elle aurait pu emporter la culotte avec elle. Pour confirmer cela, Keki a organisé la baignade sans en informer Masua, n'ayant pas le temps d'apporter des vêtements à changer. Il y a de fortes chances que Masua porte une culotte Cendrillon. Alors que la vérité est révélée, Masua avoue courageusement ses sentiments pour Keki, qui est née seulement 5 mois plus tôt qu'elle. Et leur mère n'aurait pas pu donner naissance à un deuxième enfant en si peu de temps, donc ils ne pouvaient pas être frères et sœurs. Masua pense que ses sentiments sont normaux et prend l'initiative d'embrasser Keki. Face à l'amour non dissimulé de Masua, Keki décide de s'enfuir de chez lui. Lors d'un appel téléphonique avec son père, Keki confirme que lui et Masua ne sont pas liés. Mais Keki a toujours considéré Masua comme une sœur et ne sait pas comment lui faire face. Il est plongé dans des émotions mitigées et a de la fièvre à cause de l'exposition sous la pluie. Quand il se réveille, il voit Seoki dans la pièce, qui s'est précipitée pour s'occuper de lui en apprenant qu'il était malade. Elle demande non seulement à coucher avec Keki, mais appelle également Yuka. Masua, craignant qu'il dérange Keki, les jette tous dehors. Keki est tellement somnol qu'il se souvient de la première fois que lui et Masua se sont rencontrés. Dès qu'il a vu Masua, il lui a demandé avec enthousiasme de l'appeler frère et a affirmé qu'ils seraient ensemble pour toujours. Keki se réveille d'un rêve et est ennuyé de l'avoir oublié. Alors que Keki est confus, il voit Masua dans la salle de bain. Masua s'excuse auprès de Keki pour son impulsivité et jure de ne plus jamais l'embrasser avec désinvolture. Keki n'a pas compris comment répondre à Masua, alors il lui demande simplement pourquoi elle l'aime. Contrairement à Keki, Masua se souvient clairement de toutes les histoires entre lui. À l'époque, les parents de Masua ont subi un accident et elle a été adoptée par la famille de Keki. Pour la jeune et impuissante Masua, la proximité de Keki l'a profondément touchée, vivant avec lui au jour le jour. Masua ne peut s'empêcher de tomber amoureuse de Keki. Face à la confession d'amour de Masua, Keki décide que même s'ils ne sont pas liés, Masua est sa sœur pour toujours. Vers la fin de l'été, Keki reçoit une demande de rendez-vous de Masua. C'est la récompense du concours de confession d'amour, donc Keki n'a aucune raison de refuser. Bien qu'ils soient toujours frères et sœurs extérieurement, Keki ne peut s'empêcher de rougir pour elle. À la fin de l'histoire, Keki apprend la raison pour laquelle Masua a laissé sa culotte avec la lettre d'amour. C'était le jour où elle ne voulait pas porter de culotte, mais Masua allait en fait la mettre parce qu'elle transpirait beaucoup en nettoyant le club. Juste à ce moment-là, Keki est revenue avant qu'elle ne puisse le faire. Masua dit timidement que même si elle est un peu pervertie, elle veut être la petite amie de son frère. Cela amène la fin de cet anime. Es-tu prêt à tomber amoureux d'une perverse, tant qu'elle est mignonne? À une extrémité ouverte, bien que Keki ne réponde pas explicitement à l'amour de Masua, nous pouvons encore voir certaines possibilités dans ses interactions avec Masua. Keki est toujours entouré de pervers, mais il doit quand même admettre que ce sont toutes des filles très mignonnes. À la fin de la vidéo, revenons au nom de cet anime. Es-tu prêt à tomber amoureux d'une perverse, tant qu'elle est mignonne? N'hésitez pas à laisser vos réponses dans la section commentaires. Si vous me demandez, je pense que ma réponse est oui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Je vais travailler plus dur pour faire des résumés d'animes plus intéressants. Vous pouvez les consulter sur ma chaîne.